Bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. Et Stéphane, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire, un an. Ça fait un an qu'on fait BNews, dis donc. Eh oui. On n'a pas vieilli. Non. Ben écoute, un épisode très spécial aujourd'hui. Oui. Alors, on va pas mentir aux auditeurs. Non. On va expliquer ce qui s'est passé. Oui. On a eu des invités pour l'épisode anniversaire. Tout à fait. Évidemment en duplex. En duplex. Ils n'étaient pas avec nous dans la pièce. Mm-hmm. Et puis le duplex, c'est sympa. Et jusqu'au moment où c'est moins sympa. Ça devient complexe. Voilà. Alors, on a quand même une bonne heure de franche rigolade et de binous avec les invités que vous allez découvrir. Et puis au bout d'un moment, on a eu quelques soucis techniques, on a été obligé de couper un petit peu ça, donc on vous fera part un petit peu, on a fait un petit bêtisier des problèmes techniques. Mm-hmm. Et puis après, on a quelques messages sur la boîte vocale, et puis on va peut-être, on va parler un petit peu, faire un petit récapitulatif de 52 épisodes de BNews, un an de BNews, ce qui nous a plu, ce qui nous a marqué, etc. Et puis ça sera, je pense, un bon épisode, qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bon, alors on écoute l'épisode passerelle avec les invités tout de suite. On a sauvé les meubles. Oui, allez, on y va. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, épisode 52, BNews USA, moi c'est Patrice. Toujours Stéphane. Oui, 52 Stéphane, je sais qu'on est mauvais en maths, mais 52 semaines, ça fait quoi? Non. Eh oui. Et donc, c'est l'épisode anniversaire. Anniversaire? Eh oui. Et on va pas le fêter seul, l'épisode anniversaire. Comment donc? Eh non. On a deux invités. On va être quatre. Mais oui. C'est escalade. Mais oui. Bientôt cinq, six, sept. Mais oui, deux invités. Et alors, on n'allait pas inviter pour le premier anniversaire des individus de basse extraction. Oh non, je te plais. Ça, c'est pas notre genre, ça. C'est pas notre genre. Non. Alors, on a deux invités prestigieux, des membres de la haute société. Ah, quand même. Où je pensais que quand même, jour de Mardi Gras, ça s'impose. C'est normal. Voilà. Deux membres éminents de la cour du roi Stephen. Alors, présentez-vous. Hello. Bonsoir. Alors, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites chez Stéphane? Mais qui sont-ils? On a vu de la lumière, on a pris l'avion. C'est ça. Alors, vous entendez ces voix, vous connaissez ces voix, c'est donc... Alors, moi, c'est Pomme. Oui. Et Grand Poil. Et Grand Poil, voilà. Alors, Grand Poil, quelqu'un qui vit sur un grand pied, évidemment. Et puis Pomme... J'ai toujours chaud aussi. Hein? J'ai toujours chaud aussi avec un grand poil. Ah voilà, normal, c'est bien. Et Pomme a quand même l'avantage et l'honneur d'être la première invitée féminine dans cette émission. Et voilà. Oh là là, pour l'anniversaire, première nana. Et oui. Ça fait beaucoup de. Fait beaucoup d'honneur. Ah bah sur tes épaules, oui, puis tu as de responsabilités aussi avec des grands honneurs. On a eu des intervenants. Tout à fait. On a eu des intervenantes. Il va falloir qu'on se montre à la hauteur. Ah oui, c'est vrai qu'on avait des intervenantes, mais dans l'émission du début à la fin, c'est la première. Ouais. Et alors, il était quand même temps, ça fait un an qu'on enregistre entre hommes, il était temps que quelqu'un amène un peu de douceur et de délicatesse dans cette émission. Ah bah, t'as mal choisi ton invité alors. C'est complètement raté. Oui, c'était une blague. Disons que la douceur et la délicatesse ne sont pas des attributs qui sont les miens. Bon, est-ce que vous avez bu une nouvelle bière cette semaine, les uns et les autres? Ben oui. Toi, oui? Ben oui. Nous étions ensemble. Ah oui, oui, c'est vrai. Tu te rappelles plus, je sais. Oui, mais alors, honneur aux invités. Oui. Alors? Alors, moi, c'est pas une nouvelle. J'ai bu une bière, soit un peu un classique, puisque c'était une troll. Une troll? Une cuvée des trolls, pardon. Donc, bière belge. Habitant à Lille, disons qu'on est un peu bien fourni sur ce genre de bière. Donc, elle est loin d'être nouvelle, mais elle fait toujours plaisir. Bah, c'est bien, ça. Mmh, ça, c'est bien, oui. Oui, ça nous fait envie, d'ailleurs. Mmh. Les gens qui sont à côté de la frontière belge, côté bière, c'est sympathique. Ouais. Et toi, Grand Poil? Moi, j'ai continué à découvrir les bières d'une brasserie locale qui s'appelle la Brasserie du Bouffet. Et là, j'ai goûté leur IPA qui s'appelle la Titan. Oh. Oh, bah dis donc. La Titan, comme c'est en rapport avec une grue qui reste des anciens chantiers navals de Nantes, qui s'appelle la grue Titan, justement, et qui leur sert de logo. Et c'est une très bonne IPA, pour le coup. Wow. Ouais. Ah bah dis donc.
Bah, c'est très beau, ça. Mm-hmm. Bah, nous, oui, c'est vrai qu'on est allé traîner nos guêtres chez Bayou Teche Brewing. Oui, oui. Et on a goûté tout un tas de trucs magnifiques, mm-hmm. dont un breakfast stout au boudin. Voilà. Au boudin. Quoi? Au boudin cajun. Au boudin cajun, mais ça, c'est à Louisiane. Alors, il y a des bières qui sont faites avec le dry hopping. Donc, on ajoute du houblon en début et en fin de brassage. Eh bien, eux, c'est du dry boudin. Donc elle avait un goût fumé. Il y a des petits morceaux qui flottent quand vous la servez. Eh ben non, c'était très bien fait. Ouais, ils ont trouvé le moyen de faire une bière qui est pas végétarienne. Ah pas du tout. Non. C'est pas vegan du tout. Du tout. Ça fait un peu complot quand même. Ouais. Sinon j'ai bu une autre bière que j'ai payé $14.50 le pack. Ouais. Je t'en parlais depuis longtemps. C'était Grateful Dead. Ah tu l'as acheté. Dogfish, ouais. Alors. Ben, je suis pas content. Ah bon? Tu t'as pas eu ton appel pour ton argent? Ben non. Non, ça mérite pas ce prix-là. Je me rends pas compte, ça fait cher ou pas? Ah oui, oui, oui. Ici, un pack normal de bière craft, c'est dans les $9. Ouais. Donc, c'était cher pour une bière moyenne. Donc c'est encore plus cher. Mais moyenne, donc. Vous avez payé le logo et la marque, c'est ça. Quoi. Carrément. On a payé le marketing. Ouais, là, je me suis fait avoir. C'était Dogfish Head, en général, ils font des bons trucs. Ouais, mais écoute, leur bière, celle-là, du moins. Pas du tout extraordinaire, extrêmement basique et à un prix, Eh ben. Ça doit faire à peu près du 13 euros le pack de 6, quoi, cette histoire-là, non? T'en parlais dans un épisode précédent, d'ailleurs. Eh bien, déçu, bon. Ben, moi, j'ai quand même goûté la Nova Vert de chez Parrish, une triple IPA. New England, waouh, ça c'était sublimissime. Ouais. Et peut-être que. Triple IPA, ça commence pas à être un peu too much? Eh ben non, parce que c'est triple IPA, mais New England, c'est-à-dire tout dans le fruit. Tout dans le fruit, l'agrume, la douceur. Non, c'est pas du tout agressif. On pourrait se dire, ouais, triple IPA, ouais. Non, en fait, c'est New England, c'est-à-dire c'est tout est dans le fruité, quoi. D'accord. Ouais, c'est vraiment super. Ok. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà d'ailleurs. Alors si tu veux, on fait un pacte. À chaque fois que tu dis voilà, je dis bien. Comme ça, ça marquera bien le truc. D'accord. Et à chaque fois que tu dis du coup, on dit quoi? Normalement, non, grand poil dit. Du coup, c'est Émilie, c'est pas elle. Bon. C'est pas moi qui dis du coup tout le temps. C'est notre comparse Émilie. Ah bon. D'accord. Mmh. Eh bien, en parlant de ça, en parlant de confrères et de consoeurs de podcasts, présentez un peu vos projets pour les deux personnes qui ne vous connaissent pas encore. Je pense que c'est plus la peine. Tout le monde sait qui on est. Bah, évidemment. Alors, avec Grand Poil, on participe tous les deux à deux podcasts. Donc, Le Roi Steven, qui parle de Stephen King, et Dr. Watt, qui parle de Dr. Who. Donc, on n'est pas que tous les deux. Ouais. Pour des heures et des heures de réflexion pour en arriver là. Ah bah c'est un métier. Hein. Et pour s'apercevoir en plus que du coup niveau référencement c'était tout pourri. Oui, c'est vraiment pas, c'est un nom pourri à ce niveau-là. Ah bon. Donc pour Le Roi Steven, on est 6 à participer. Ouais. On est avec Julien, Aymeric, Urde et Émilie. Mmh. Et sur Dr. Watt, on est 4. Donc on est avec Nimp Now et avec Zu. Ah ben dis donc. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous les deux. Alors attends. Et moi, de mon côté... Oui. Vas-y. Non, je voulais dire, répète-moi les noms des animateurs de Dr. Watt un peu. Pomme. Nimp Now. Pomme. Grand Poil. Et Zu. Zu. Mais nous, tu sais... Zu. Et Nimp Now. Mais tu sais, Stéphane, quand on a commencé le podcast, moi, j'ai même pas pensé à nous faire des pseudos. On est nuls, nous, avec nos Patrice et nos Stéphane. Mais c'est des pseudos. Oui. Alors, je dévoilais pas tout. C'est Gérard et Bernard, nous, voilà. Franchement, comme pseudo, Patrice, j'aurais pu trouver mieux. Alors, moi, j'ai le truc inverse. C'est quand j'écoute des podcasts où les gens donnent leur prénom et leur nom de famille. Et donc, ça, je trouve que ça fait super classe et super pro. Et je me dis, ah bah non, on s'appelle Pomme Grand Poil. Non, moi, je nous trouve nuls, nous. Par comparaison, parce qu'on a commencé le podcast et puis toi tu t'appelles Stéphane, moi je m'appelle Patrice, donc on a démarré Patrice et Stéphane. Quoi. C'est des pseudos, Stéphane. C'est après, globalement, nous on avait tous, je pense, des pseudos avant de démarrer le podcast. Ah. Oui, moi on m'appelle Pomme depuis que j'ai une vingtaine d'années. J'en ai 35. Donc, ça vient d'où d'ailleurs? C'est mon second prénom. Ah bon? Bah, c'est mignon ça. Et comme mon premier prénom est très commun, quand je suis arrivé à la fac, on était plein à s'appeler pareil, mes copains m'ont appelé par mon second prénom. Ah, c'est sympa, ça. Ouais. Et Grand Poil, alors, est-ce que j'ose demander d'où ça vient?
Ça venait du poil dans la main. Ah d'accord, c'est bien. tout simplement. Et c'était avant que j'ai commencé à entretenir une pilosité certaine. Ah, d'accord, eh bien. C'est un barbu. Oh. Très bien vu dans le milieu de la bière. Ouais. Le barbu. Oui, on en a vu beaucoup samedi dans la brasserie. Ah oui, il y avait du barbu. Hein. Ah oui, ici, il y a beaucoup de barbus dans les brasseries. Voilà. Et Pomme, je t'ai arrêté, tu disais la menstruelle. Non, je ne l'ai pas encore dit, mais effectivement, je participe aussi à la menstruelle, donc qui est un podcast qui parle de règles féminines, avec Fanny, avec Lisa, Audrey, Julie et Karen. Donc on fait ça, on sort un épisode à chaque pleine lune, donc tous les 28 jours, et on parle de règles un peu dans la vie de tous les jours en fait. Qu'est-ce que c'est avoir ces règles dans la vie de tous les jours? Alors on aborde des thèmes bien précis, j'en sais rien, les protections hygiéniques, certaines maladies qui peuvent être en lien, ce genre de choses. Et voilà, on en parle selon notre connaissance personnelle, ou alors on fait venir des gens qui ont une expérience particulière avec le sujet abordé. Eh ben. Et c'est écoutable par les hommes et les femmes. Ah. C'est même recommandé pour en apprendre plus. Exactement. L'idée, c'est d'être accessible à tout le monde. D'accord. Moi, dans ma salle de classe, règle, c'est le matériel scolaire. Donc, les gamins gueulent « Rule and ruler !» La règle. La règle, ouais, parce qu'ils disent, évidemment, la règle en français, c'est le ruler. Bien sûr. The rules. Donc, oui, on a ça aussi dans ma classe, mais peut-être moins avancé. C'est pas le même genre de règle. Non, c'est pas pareil. Bah, ils ont quel âge aussi dans ta classe? 6 ans. Oui, ça les concerne pas pour l'instant. Voilà. Bah, c'est très bien. Donc, voilà. Eh ben, voilà. Et nous, on fait Binous USA. Et nous, c'est Binous USA, les gens qui nous écoutent. Voilà. C'est tout? Vous devriez avoir honte. Non, moi, je fais ma chanson préférée pendant... Bah oui, c'est bien cool. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Deuxième saison, Bowie. Et troisième saison, à l'heure où on enregistre cet épisode, je viens de l'annoncer, c'est Gainsbourg. Oh, c'est vrai, je ne l'avais pas vu. Et trop bien. Saison 3, pardon, c'est tout un morceau. Une réaction à chaud. C'est bien. je n'avais pas vu que tu l'avais annoncé. Et oui, et si tu veux d'ailleurs bloquer un morceau, il faut te dépêcher. Alors d'une chose après l'autre, on va d'abord faire cet épisode-là, voilà. Après on va réfléchir. On en parlera après l'émission. Voilà, c'est ça. Bon, parce qu'en général, c'est la foire d'empoigne, le jour où j'annonce ça, c'est la folie. Sur Twitter. Voilà, c'était pour ma chanson préférée. Eh bien, qui a choisi la bière de la semaine? C'est toi, Grand Poil, hein? Oui, tout à fait. Alors, c'était essayer de trouver une bière qu'on arrive à acheter chacun de notre côté de l'océan. C'était bien vu, parce que c'est vrai que nous, on la trouve chez nous dans nos supermarchés, et vous aussi. Alors, apparemment, pour Pomme, un petit peu moins facilement. Non, en fait, je l'ai trouvé facilement quand je suis allée dans un hypermarché, mais je déteste les hypermarchés. Donc, j'ai d'abord fait tous les supermarchés et supérettes qu'il y a autour de chez moi avant d'aller à l'hypermarché le plus proche, qui est une enseigne dans laquelle ça n'y était pas. Donc, je suis allée dans l'autre hypermarché, et là, ça y était. Bah, écoute, donc, moi, qui déteste ce genre d'endroit, j'en ai fait plein, parce que je ne suis pas allée au bon en premier. Bah, on apprécie beaucoup que tu aies fait ça pour nous, ouais. Que tu te sois fait violence. Exactement. Et d'ailleurs... Bon, ça va, c'était pas non plus... On a connu pire. Oui, mais enfin, j'ai vu le reportage vidéo, c'était haletant, hein, le suspense était grand. C'est vrai que j'ai filmé mon entrée dans l'hypermarché et mon chemin jusqu'au... Et que j'ai pas trouvé de suite d'ailleurs, j'ai eu peur de pas du tout. Ton chemin de croix, tu peux le dire. Mon chemin de croix dans le rayon bière, où il y avait beaucoup de bière et je ne trouvais pas la bonne. C'était ça justement, puis tu faisais les commentaires. Un samedi matin. Ah, je ne sais pas, ils sont pas là, je ne les vois pas, est-ce qu'ils vont être là? Aïe, 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 bon, il faut que j'aille voir dans les individuels. Écoute, c'était Hitchcock, il peut se rhabiller, hein. C'était le projet Blair Witch, c'était le projet Binous USA. Mais oui, c'était le projet Binous, je te jure, parce que tu l'avais pas dit si tu l'avais trouvé ou pas. Alors moi je regardais, je dis, elle va le trouver, elle va pas le trouver. C'était vraiment, il y avait beaucoup de suspense. Bah oui. Et une qualité d'image et de son fabuleuse. Ah oui. C'était à mon avis, Netflix va voir ça et puis ça va être le prochain épisode de Black Mirror. En caméra embarquée. Exactement. C'est comme dans Black Mirror. Alors, Lagunitas, Grand Poil, tu peux nous en dire plus ou tu veux que je le fasse? Je veux bien que tu le fasses, que je l'ai choisi, mais je ne la connais pas. C'est qu'on puisse tous la découvrir en même oui, temps. Oui, alors ils ont été rachetés par Heineken il y a combien de temps, Stéphane, il y a à peu près un peu moins de 10 ans. Ouais. Eux, ils ont été rachetés à un bon prix, à la différence de Fuller en Angleterre.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont réussi leur truc, quoi. Ouais. Puis ils sont disponibles partout. Ils sont disponibles partout. Ça explique qu'on les trouve facilement s'ils ont été rachetés par Heineken. C'est ça, ouais. Je ne pense pas qu'ils aient touché à la qualité Heineken, hein, sur le coup. Et même, ils font en sorte que, Lagunitas soit un petit département un peu expérimental. Parce qu'on en a parlé, la Newcastle Brown Ale doit être brassée par Lagunitas. Ouais, et reprennent la Newcastle. Voilà. Donc, pour faire un lifting. Ouais. On va voir ce que ça donne. Je croyais que, je sais pas pourquoi, je pensais qu'Ampoil allait nous expliquer d'où c'est originaire et tout ça, je ne le sais pas. J'ai du biscuit, monsieur. Ah, tu en as? Oui, heureusement, je suis là. Non, ouais. Heureusement qu'il y en a qui passent. Il y en a qui prépare, c'est bien. C'était presque aussi à le temps que la vidéo de pomme. Donc, cette bière existe depuis le printemps 2009. Ouais. Et au départ, ils ont voulu faire une bière de saison. Puis bon, les gens ont tellement aimé qu'ils se sont dit bon, on va la faire de manière régulière. Alors, ils souhaitaient faire une bière de blé houblonné. Et tout cela, faut se rappeler, 2009, c'était en pleine récession économique. Mmh. Donc, un petit peu, leur idée, c'est de tendre, de te donner le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Voilà. Donc, cette bière a des scores à tout péter sur les trucs américains. Mais je mettrai un bémol. Ah, oula. Voilà. Alors, tu nous mets la pression pour la dégustation. Est-ce que je peux demander à Pomme quelque chose? Oui. Est-ce que tu peux prononcer le nom de la bière? Lagunitas. Oui, mais oui, ça c'est la bière. Non, non. Oui, bien. Oui, bien. Mais, ah, oui. Mais le nom de la bière elle-même. Little Sumpin. Sumpinol. Non. Alors justement, grand point, tu dirais quoi, toi? Moi, je dirais Little Thumpin, Thumpin. Ah, je sais pas exactement. Voilà. Là, c'est... Parce que ça... Je vois l'origine. Oui, voilà, c'est ça. Parce que c'est la façon dont ils écrivent ça, si t'as pas passé du temps aux États-Unis, tu ne sais pas le prononcer. Oui. C'est, alors je vous le fais en VO, Little Something Something. Something Something. En voilà, fait, c'est ce que j'ai essayé de dire sans y arriver. Little Something Something. Mais t'attendais que je dise ça. Justement, je savais que tu n'allais pas le dire comme ça, c'est pour ça que je te l'ai demandé. Je t'ai tendu un piège. Très bien. Little something, something. Alors, qu'est-ce que c'est, little something, something? C'est un petit quelque chose. Oh, spécial. Un petit quelque chose spécial. En général, c'est pas graveleux, mais enfin, c'est un petit peu quand même axé sur la sexualité. I'm gonna give you a little something, something. Voilà. En même temps, sur l'étiquette, il y a une dame avec un tout petit short un petit haut qui se tient dans une pose un peu lascive. Du coup, ça correspond un peu au nom, un quoi. Peu style pin-up des années 50. C'est ça. Voilà, et merci, donc, je cherchais. C'est un peu c'est un peu axé là-dessus. Donc tu viens de nous faire, Pomme, tu viens de nous faire un point short, oui. Ben oui, parce que là on voit que le short, on voit pas. Bon voilà, ça reste un short. Voilà. Non, parce que dans les amateurs du roi Steven connaissent tes points culottes. Bon là, il y a pas de culottes. Mais mes points culottes, c'est pas les miens en particulier. Mais effectivement, dans les bouquins dont on parle, on s'est rendu compte que Stephen King plaçait quasiment tout le temps. Je crois qu'il y en a toujours eu un. On l'a toujours trouvé. On a toujours trouvé parfois... à un moment ou à un autre, il parle d'une culotte. Donc c'est les points culottes. Non. Et on nous a envoyé des tweets pour nous dire qu'à cause de nous, maintenant les gens relevaient le point culotte même dans les bouquins qui sont pas de Stephen King. Ouais, voilà. C'est le genre de truc où à partir du moment où tu en parles, après on peut plus le voir. Ouais. C'est ça d'être influenceur. Ben oui. ou influençable comme grand poil. Oui. Bah, moi je suis un mouton. Non, je dis ça, c'est toi qui avais dit ça, Pomme. Hein. J'avais dit quoi? Qu'il était influençable? Oui. J'ai dit ça quand? Je me souviens pas. Parce qu'il buvait il avait acheté une Sierra Nevada Pale Ale après nous avoir écoutés. Et donc, il avait dit qu'on était des influenceurs. Et toi, tu avais dit oui, il est surtout influençable. Oui, oui, oui. Non, mais complètement. Non, mais Pomme mâche toujours ses mots. Hein, elle prend beaucoup de pincettes quand elle parle aux gens. S'il fait deux podcasts, bon, bref. Voilà. Je me suis un peu fait engrainer dans le deuxième par sa faute. Hein. Tu t'es fait avoir. Ouais. Bref. Bon, revenons à nos moutons. Donc oui, c'est une ale de 5 degrés 7. Oui. Avec 50 degrés d'amertume ressentie. C'est-à-dire pile au milieu de la balance. Ouais. Mm-hmm. C'est pas très Attends, t'as dit 5 degrés 7. Oui. Ouais. Moi j'ai 7,5. Ah oui, nous on a 7,5. Alors peut-être qu'ils mesurent pas de la même façon. Comment ça?
Mais nous, on a alcool 7,5% volume. C'est lui qui s'est trompé. Ah, c'est moi. Il a marqué 7,5 sur l'étiquette. Bon, bah, voilà. C'est pas grave, on coupera au montage. Une erreur technique indépendante de notre volonté. C'est du 7,5 alors. Ah, putain, les pigistes, qu'est-ce qu'ils font, quoi? C'est pas pareil. Non, mais là, il y a des têtes qui vont tomber. Quelqu'un qui va se faire virer. Les pigistes, je vais les virer. Moi, oui, je vais faire un tour à la rédaction, tu vas voir, ça va pas tarder. Non, mais dans le Bayou, c'est difficile d'avoir des petites gens. Imagine, ils nous passent des fois. Qui fait du bon travail. Alors, à quel moment va-t-on l'ouvrir? Moi, je suis prête. Hein. J'ai mon décapsuleur, ma bouteille. J'attends les ordres. Et toi, grand poil? On attend le comment dire, le clic AC bière. Ah. Alors oui. Patrice, es-tu prêt? Vous êtes prêt? Oh là. Ouais, je suis nerveux. Je suis pas habitué à avoir des gens de la haute dans mon émission. C'est l'émotion, ça. C'est le... Les gens de la haute. Tu nous dis si nous on l'ouvre aussi. Non, de la haute. De la haute de, oui. De... J'ouvre la mienne également. De la haute de la chemise. Ah oui, du gras, quoi. Du Père Noël. De quoi on parle? Alors, on fait essai bière. Oula, ça sent... Qui commence? Moi, je suis prêt. Moi, j'ai pas encore ouvert la mienne. J'attendais qu'on me dise ouvre ta bouteille. Oh, ben, je l'ouvre. Voilà. Ouh, elle est jolie. Oui. Alors, qui va en deuxième? Tu veux que j'aille en deuxième? Allez, Stéphane, vas-y. Ouais, allez, allons-y. Alors, Stéphane doit être un peu plus loin du micro parce que là, sur celui-là, toujours. On l'entend pas du tout. Oui, et puis il fait toujours la chochotte, lui. Ça, c'est. Moi, je le fais clapoter, lui, c'est toujours. On a l'impression qu'il est serveur au Ritz. Sexy. C'est son côté. C'est quoi le gars que t'aimes bien, là, le sein, là? Simon Templar. Voilà, c'est son côté Simon Templar. Mmh. Alors, qui est suivant dans la SC Bière? Eh, vas-y, grand Paul. Allez, je me lance. Vas-y. Ah ouais, pas mal. Joli, délicat. Ah oui, classe. Elle chante. Bah, ça fait une sacrée mousse et elle sent bon. Mm-hmm. Oui, elle sent très très bon. Oui, elle est super arôme. Et du miel. Oui. Allez, vas-y pomme. Vas-y pomme. Bon, moi je l'ai déjà ouverte, donc il n'y aura pas le bruit de... C'est pas grave. D'ouverture. Oula, mais t'es championne de la SC Bière aujourd'hui, Pomme. Attendez, ça va peut-être déborder. Ah, ça déborde. Et voilà, quand on n'est pas professionnel. Question, j'ai pas pu tout mettre. On s'en bat. Elle n'a pas tenu jusqu'au bout, les juges m'ont mal noté. Ça, c'est une sortie de piste. C'est éliminatoire. En vrai, je fais normalement comme Stéphane, ça fait pas du tout de bruit, mais ça fait zéro mousse. Ah. Moi, j'ai une bonne mousse. J'y vais tout doucement. En penchant le verre. Une mousse qui tient bien. Bah, moi, c'est ce que je faisais avant. Ouais, mais bien. En fait, j'ai appris qu'il faut faire échapper le CO2 et donc il faut faire un peu plus clapoter et mousser pour que le CO2 soit dans l'air et non pas dans ton bide. Alors, j'ai une question. C'est quand vous avez acheté cette bière? Depuis quand vous l'avez dans le samedi. Frigo? Samedi. Donc, on est mercredi. Il y a une semaine, moi, je crois. Ça fait une semaine qu'elle traîne dans le frigo. Non, on est mardi, pas. Bah, c'est très bien parce que j'avais... C'est mardi gras aujourd'hui. Moi, j'ai triché, j'avais goûté avant, évidemment, quoi. Oui, mais c'était le quality control. Voilà, c'est normal. Et je trouve qu'elle est bien plus reposée qu'il y a 4-5 jours. Ah. Et que au nez, en tout cas, ça me plaît davantage. Non, mais il a fait ça pour les bienfaits de la quality control. Bien sûr. C'était pas du tout parce qu'il... J'allais pas nous intoxiquer non plus. C'est ça. Voilà. Bon, parce que nous, alors il faut vous dire, je ne sais pas si vous avez suivi ça dans les épisodes précédents, mais dans nos supermarchés, des fois il y a des bières qui ont 2 ans, quoi. Oui, j'ai vu surtout des IPA qui t'avaient gueulé. Les doubles IPA Sierra Nevada Torpedo qui sont faites en avril 2017. Voilà. Donc nous, on avait, comme il n'y a pas écrit la date de brassage et de mise en bouteille sur Lagunitas, on se demandait un peu si on allait avoir de la picrate, comme dirait notre ami Kevin. Voilà. Donc c'est pour ça que Stéphane a fait pour vous le quality control en amont. Bon, on a un goût de bien. Oui. Bien sûr. À la fois un nez malté, un nez fruité, d'arôme, de
d'arômes d'orange, de fruits vraiment, d'agrumes, ça je vais y arriver. Moi je trouve du pain et du miel. Aussi, également. Qu'est-ce que vous en dites, vous ça, qui enrobe tout ça. Bah, moi je trouve du citron. Ah ouais, ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Alors moi je fais bien de participer à cet épisode parce que je suis totalement nul pour ce genre d'exercice. Alors d'habitude je suis plutôt une quiche, mais là je trouve que vraiment cette odeur elle ressort. Ça elle fait ressort agrume, vraiment, ouais. Beaucoup. Agrume, ouais. Mm-hmm. Ah, une odeur de ouais, ou de pamplemousse ou d'agrume, quoi. Moi je sens le pain PAIN quand même. Aussi. Mm-hmm. Oui. Il y a un côté maltais, effectivement. Je vais la goûter. Donc. Bon, on la goûte alors. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Ouais, elle me plaît. Il y a l'amertume. C'est pas mal. Mmh. Alors, c'est pas trop amer, c'est pas trop agressif, c'est pas mal. C'est ça. Je sais pas. Ah, tu sais pas, Pomme. Tu ne te prononces pas. Il y a une amertume qui est contrôlée. C'est pas mes bières préférées. Ouais, ça je peux comprendre, parce que c'est vraiment spécial. Bon, elle est meilleure que celle que j'ai vue la dernière fois, parce qu'elle est plus reposée, véritablement. Donc, la dernière fois, j'avais envie de la pendre, tu vois, de dire, oui, cette bière, 97 sur 100. Mais, je reste malgré tout. Ah oui, carrément. Oui, des notes de dithyrambique. C'est une bière qui est quand même vraiment old style. On voit qu'elle a été faite en 2009. Ça se voit. Ça se voit, mais c'est-à-dire qu'il y a normalement pour ce type de bière, la façon de sortir du côté un petit peu mielleux, c'est justement de partir sur des goûts de pain PIN très amer, très. Et là, on est à mi-chemin entre les deux, ce qui fait que ça fait une bière à la fois qui est plus abordable, qui est plus du goût de tout le monde. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont voulu faire avec ça. Ouais. Mais lorsqu'on voit aujourd'hui ce qui se fait avec les New England IPAs et les choses comme ça, elle est un peu datée pour moi. Voilà. Oui, c'est bien. Non, c'est agréable. C'est agréable, mais c'est daté. Mmh. C'est-à-dire que. Au goût, elle est moins sucrée qu'une Goose Island, par exemple, oui. Qu'une vraie IPA. Oui, 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 oui. Heureusement. Mais elle est. Bon, c'est une très bonne bière. Mais elle est vraiment marquée dans son temps. Surtout qu'à l'époque, lorsqu'ils l'ont fait en 2009, ils avaient à l'idée la Sierra Nevada Pale Ale. Ah ouais. C'est-à-dire, on va t'en donner pour ton argent. Tu vas avoir une bonne bière à l'ancienne. Tu vois, c'était un petit peu ce qu'ils faisaient, quoi. Donc, leur référence remontait au milieu des années 80. Et cette bière, donc, a des scores extraordinaires, véritablement. Et je l'aime beaucoup. Ouais, je comprends pas non plus. Voilà. Je l'aime beaucoup, mais. C'est vraiment une bière pour les Américains. Ils adorent ça, même les Anglo-Saxons, puisque bon, je cite souvent un chroniqueur gallois. Ça, il adore ça. Il te dirait, oui, ça me rappelle les vieilles IPAs, justement, avec ce goût d'amertume. Mais là, justement, le goût d'amertume, j'en attendrais davantage, bizarrement. Ah bon? Pour contrôler un peu plus la bière. Parce que quand tu pour moi, il y en a trop. Oui, ouais, mais c'est vrai, parce qu'elle fait 50, elle est vraiment pile au milieu. Mais pour ce type de bière, y a deux façons de sortir de ça. Là, on est dans un goût un petit peu maltais et tout ça. Et le goût de fruits, et par rapport à ce qui se fait maintenant, ouais. D'agrumes et tout ça, c'est petit bras. Donc, ce qui se faisait à l'époque, mais elles existent encore ces bières-là, c'est sortir avec un goût de pain PIN vraiment très, très prononcé. Donc, c'est un peu entre... C'est une bière entre deux chaises. Entre deux chaises. Et je la trouve un peu datée. Et effectivement, c'est le genre de bière que je bois une fois l'an. Ce ne sera jamais ce qu'on appelle une go-to, c'est-à-dire une bière sur laquelle je vais revenir. Il y a aussi une raison pour ça. Dans le goût est assez intéressant, mais le degré alcoolique est 7,5, je crois. 7,5, ouais. 7,5, boire ça en plein été en Louisiane. J'ai pas envie de me mettre en l'air, quoi. Moi, j'aime bien. Voilà. Et alors moi, à l'inverse de Pomme, je trouve qu'elle pourrait avoir un petit peu plus d'amertume. Je suis d'accord. Dans ce style-là, il faudrait plus d'amertume. Pour que ça soit plus équilibré, voilà. Par rapport au sucrose et au... Mais maintenant, voilà, parce qu'il y a un côté sucrose. Mmh. Voilà. Et alors, oui, je pensais, il y a des bières anglaises, bon, tout le monde, je crois, la planète entière sait que j'adore les bières anglaises, mais qui ont, par exemple, ce goût de fruits qui va tourner en goût de marmelade. Tu vois, et là, tu n'as pas besoin de sortir vers des trucs qui ont des goûts de pain. Parce que c'est, tandis que là, on n'est pas dans ces goûts-là, c'est moins sophistiqué. C'est moins sophistiqué que les New England IPAs au niveau du fruit. Donc, on attendrait, tu sais, un coup de bâton derrière, d'amertume. Et on ne l'a pas. On a le coup de bâton, c'est l'alcool. Ouais. Parce que l'alcool, tu peux le sentir à un moment donné, tu vois, c'est... Pouf. Moi, voilà. Je trouve qu'ils auraient pu mettre 60 degrés d'IBU au lieu de 50, et ça, déjà, pour moi, elle aurait été très meilleure. Et franchement, s'ils tombaient le degré de faire 7,5, s'ils faisaient 5,7, comme tu avais dit au début, ouais. Eh ben, ça serait mieux, voilà. Bon. Grand Poil, qu'est-ce que tu en dis?
on prend un cours là. Oui, pareil, j'ose pas parler. J'ose rien dire, je sais pas. Profitez-en, ça arrive pas souvent. Non, pour moi, tu vois, l'amertume, elle est pas mal. Par contre, je trouve qu'elle reste pas mal en bouche après avoir bu. Mm-hmm. Et c'est pas forcément très très agréable sur ce côté. Alors que j'aime bien des IPA qui sont costauds. Mm-hmm. Là, l'amertume. À boire, ça passe, elle est très bien, elle est même limite un peu légère, je trouve. Mais cette amertume, elle reste derrière. Je sens pas le côté trop sucré, à la limite. Moi, c'est ce qui me manque peut-être un peu sur une bière comme ça. Ah, d'accord. Ah ouais. Oui, bah, moi, du coup, toi, tu disais, Stéphane, que tu bois ce genre de bière une fois l'an, moi aussi, quand je me trompe dans ma commande. Je la déteste pas, mais c'est vraiment pas le genre de bière que j'aime. Je la trouve trop amère. C'est pas les bières que j'apprécie de boire. Par contre, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pas une bière qui aurait quelque chose en plus en accompagnant un aliment, un mets, un plat. Si. C'est ce que depuis tout à l'heure j'essaie de voir si ça me donne pas envie de manger un truc en particulier pour rééquilibrer. J'arrive pas à trouver. Du porc. Du porc, j'allais dire, ouais, porc grillé, une côtelette de porc, des choses comme ça. Même des gros hamburgers. Moi, je parle de ça, c'est des trucs que je mange jamais, mais bon. Ah non, tu manges pas de porc, toi. Non. Mais non, mais parce que, tu vois, ça me fait penser à certains vins rouges. Parce que toi, je sais que tu aimes bien le vin, Stéphane, mais moi aussi. Et je sais qu'il y a certains vins rouges que je n'apprécie que s'ils accompagnent un plat. Mais là, écoute, comme il y a ce côté un petit peu, d'agrumes et tout ça, mais également épicé, normalement, et puis mielleux, ce côté vraiment un peu sirupeux, ça va très bien avec les côtelettes de porc, je dirais, en priorité, vraiment ça. Je vois tout à fait les côtelettes de porc. C'est vraiment avec ce genre de... Et même cuisiner un petit peu à la Méditerranée, avec des herbes de Provence. Le romarin, tout voilà. Ça. Parce que bon, je vois tout à fait... Donc c'est ça donne faim. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'ai refaim. Donc, alors si je peux me permettre une réflexion supplémentaire, maintenant que j'ai retrouvé la parole. Elle ne la lâchera plus. Voilà. Attention, c'est gaffe, fini, elle la lâche plus après. Retrouver ses esprits. C'est terminé. Non, c'est que maintenant que je me suis un peu habituée au goût, je l'apprécie un peu plus. Les premières gorgées étaient pas très agréables et maintenant, là en rebuvant une gorgée, une autre gorgée, ça passe mieux. C'est ça. C'est le palais doit s'adapter à ce type d'expérience. C'est ça, tu disais, Pomme, que tu n'aimes pas trop les IPA qui ont de l'amertume. Ben en fait, moi au début non plus, c'est une évolution normale. En général, quand on commence à boire des IPA, ça rebute un petit peu. Et petit à petit, on s'y fait. Et petit à petit, après même, on en a envie, on a une espèce d'envie d'amertume, d'IPA. Donc c'est normal. Je, à mon avis, un jour, tu y viendras. C'est pas obligé. Hein, c'est pas j'en suis pas encore là non plus. Après, il y a des IPA qui sont, plus faciles pour commencer des choses qui vont être plus fruitées, qui vont tout à fait. Compenser justement cette amertume par autre chose. Absolument. Mais justement, les New England IPAs, là-dessus, sont beaucoup plus abordables. Et je trouve plus moderne, meilleur, plus fruité, enfin... Mais moi, j'aime bien les trucs un peu old school comme celle-ci et comme la Sierra Nevada Pale Ale. C'est des choses qui me plaisent, moi c'est aussi. C'est inspiré de la Sierra Nevada Pale Ale. Et ils ont essayé, en plus, de faire quelque chose à mi-chemin, hein, comme leur IBU 50. C'est-à-dire quelque chose qui, malgré tout, plaise... Qui ménage la chèvre, le chou. Quoi. Et en même temps, ne décourage pas les nouveaux consommateurs. Question, elle a été faite avant ou après le rachat par Heineken, celle-ci? Après, oui. Ah, voilà. Oui. Donc, à mon avis, il y a dû avoir des exécutifs... Je crois pas, il nous faut un truc entre deux chaises. Non, je surveille ça de près. Et en fait, non, quand elle a été commencée, tu veux dire, non, celle qu'on a d'entrevers, oui, c'est après le rachat d'Heineken, bien évidemment. Mais la bière était commencée avant le rachat d'Heineken. Ce style de bière a été lancé avant le rachat d'Heineken. Oui, mais celle-ci, la Sam. Oui, mais c'est ça. Okay. Voilà. Donc c'était quelque chose qu'ils avaient avant le rachat. Voilà, qu'ils avaient en catalogue et tout ça. Donc c'est pas le PDG d'Heineken qui a dit, il nous faut un truc que tout le monde va aimer. Et là, je regarde les notes pourtant très critiques des gens. Il semblerait que le rachat par Heineken n'ait pas affecté la qualité, en tout cas de cette bière et des autres. C'est bières. Rare. Ouais. Je voulais vous demander, Pomme et Grand Poil, surtout Grand Poil, parce qu'il est un peu plus là-dessus, un petit peu plus de bouteille. Porté là-dessus. Ça, les New England IPA, ça se boit un petit peu par chez vous? Ben, je crois pas. Ça me dit pas grand-chose. Moi, ça me dit rien. Mais du coup. Par contre, tu vois, tu faisais la comparaison avec la Sierra Nevada Pale Ale. Celle-là, j'en ai bu il y a pas longtemps. Elle est beaucoup moins amère. On ressent beaucoup moins l'amertume. Elle est beaucoup plus agréable à boire que celle-là. Oui. Oui.
Mais et à côté de ça, du coup, sur Sierra Nevada, je te l'avais dit il y a pas longtemps, j'avais trouvé la Torpedo, donc leur IPA. Ouais. Et ben, j'ai pris une grosse claque d'amertume dans la gueule, c'était beaucoup trop. Ouais. Ouais. Ben moi, en fait, c'est. Ouais. Je crois que j'ai raconté. Je sais pas si j'ai raconté l'histoire dans un épisode un jour. On était allés dans un bar, on a découvert tous les deux la Sierra Nevada Pale Ale qu'ils avaient à la pression. Uh-huh. Et c'est quelqu'un qui nous a dit, vous connaissez pas la Sierra Nevada Pale Ale, allez-y et tout. Et on est tombé amoureux évidemment. Et je suis allé dans mon magasin. Et il y avait côte à côte le pack de Sierra Nevada Pale Ale qui est vert, mmh, et le pack de Sierra Nevada, mmh, Torpedo qui est vert foncé. Oui. Et comme je n'y connaissais rien à l'époque, j'ai pris le pack de Torpedo à la place de la Pale Ale. Je me suis versé ça dans un verre. J'avais jamais bu d'IPA avant. Écoute, je l'ai versé dans l'évier, le reste du pack, quoi. Parce que c'était trop à l'époque, j'étais pas habitué. Alors que je suis sûr que maintenant ça me plairait. Mais ça m'a pris. Allez, ça fait combien d'années ça? Ça vous est arrivé? 5 ou 6 ou 7 ou 10 ans. Presque 10 ans, ouais. 10 ans, je dirais 10 ans. Alors moi j'ai une question. Ouais. T'as bu une bière qui ne t'a pas plu, mais t'as continué à en boire quand même. Pourquoi? Ouais. Parce que. Non, mais la question est quand même légitime. Alors, moi, je sais que quand on me dit c'est une IPA, est-ce que t'en veux, je dis non, parce que les premières que j'ai bues ne m'ont pas plu et que je vois pas l'intérêt de me forcer s'il y a autre chose. Eh ben, en fait, ce premier pack m'a absolument déplu, comme disait Poil, pareil, Grand Poil. C'est bon. On peut être familier, vas-y. Je peux t'appeler juste par ton prénom. Tu peux l'appeler Poil si tu veux. Tu peux l'appeler Poil, il n'y a pas de problème. Bon, bah, Poil. Entre pommes et poils, excusez-moi. Je parle à poil. Est-ce que je peux parler à poil? Voilà. Bon. Donc oui, ce pack de Torpedo que j'avais acheté par erreur, je m'a laissé un très mauvais souvenir, je l'ai jeté, j'en ai pas bu. Même j'ai fait le gag à une amie qui est venue à la maison, qui boit que de la Bud Light. Mm-hmm. Je lui ai dit, tiens, goûte ça. Oh, la tête qu'elle a fait et tout, bon bref. Et, ah bah oui, elle a dû prendre une claque. Oula, bah oui, mais elle a fait une tête pas possible. Et donc pour répondre à la question de Pomme, c'était plusieurs années plus tard, que je me suis remis à la Sierra Nevada Pale Ale, qui est en fait un marchepied à la IPA, qui est moins forte que les IPA, mais qui est quand même dans le même style. Et puis petit à petit, je me suis dit, tiens, pourquoi j'achèterais pas cette IPA. Mm-hmm. Et puis petit à petit, je m'y suis mis. Et puis de plus en plus, double IPA, je viens d'acheter une triple IPA New England. C'est un processus, hein, on va pas y arriver en une fois. Il faut comprendre aussi que ce sont des goûts, notamment lorsqu'on vient en Europe, qui paraissent très américains. Et ça s'explique aussi par la culture américaine. C'est-à-dire, il y a le côté Coca-Cola, whisky, bonbons. Tout extrême. Et cannabis. Parce que tu sais, justement, lorsqu'ils veulent faire des bières qui ont ce goût de pain, P-I-N et compagnie, c'est que certains veulent pouvoir la boire en fumant le cannabis aussi. Ah oui. Donc il y a tout un... Il y a des bières au cannabis qui se font... Oui, il y a toute une logique américaine qui nous dépasse un petit peu. Oui, ça on en parle souvent, et si le goût américain, c'est quand même rentre dedans en général. Oui, hein. Oui, c'est pas équilibré. Quand c'est sucré, ça te fait mal aux dents tellement c'est sucré. Voilà. Quand c'est épicé, tu t'arraches la gueule. C'est pour ça que les vins qui ont le plus de succès, ici, les vins français qui ont le plus de succès, c'est les Côtes-du-Rhône. Côtes-du-Rhône bien charpenté, bien épicé, ils adorent. Si tu testais avec un chinois, je n'ose pas dire un Saint-Nicolas de Bourgueil, je sais qu'il y avait un gars qui avait carrément ramené la bouteille et qui avait dit, mais c'est quoi ce vin qui a un goût de terre? Oui. Il trouve ça trop léger, même, peut-être. Il trouve ça, le Saint-Nicolas de Bourgueil, il trouvait qu'il avait un goût de terre, qu'il était vert, alors que c'est pas du tout le cas. Et le chinois, ils essayaient de le faire boire au vert, en faire un vin féminin, soi-disant, avec des comment on appelle ça, des pâtisseries, des Oula, choses un vin féminin, ça te fait pas mal, non, ça mais, non mais c'était le public qui ciblait, quoi, véritablement, alors que les Côtes-du-Rhône, avec les vins de Californie, c'est pareil, ça peut se bagarrer au niveau des goûts d'épices et tout ça. Ici tout est extrême parce qu'on a goûté des IPA depuis qu'on a commencé l'émission, des IPA françaises, oh, magnifique, l'Alsace Pale Ale. Mm-hmm. Les IPA de Velvet Thirst qui font ça à Orléans, dans le Loiret, tout ça. Et c'est vraiment, quand on compare les IPA françaises et les IPA américaines, on voit la différence de culture, oui, au niveau de tout, c'est-à-dire tout ce qui est gustatif. En France, c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus équilibré, subtil. Alors qu'aux États-Unis, c'est bah, prends-toi là dans ta gueule. Celle-là, il rentre dedans aussi, oui, à sa manière. Ouais. Moi, ça me dérange pas parce que je suis habitué, mais j'avoue que oui, quand on est européen, ça doit faire un peu bizarre. Mais je dois dire aussi que comme on a des IPAs de partout,
De temps en temps, quand je vois une IPA, je fais « Ah, encore une IPA mmh. !» Voilà, donc je m'arrête pas. Pour... Comme la semaine dernière, c'est heureusement que j'ai vu ça dans un classement, c'est qu'on a oui. goûté la semaine dernière, mmh. Qui n'est pas encore sorti au moment où on enregistre ce podcast, mais donc on va pas la dévoiler, mmh. mais c'est vrai que quand on voit ça en magasin, on dit « Allez, encore une IPA !» Oui, surtout qu'ils se croient tous obligés d'avoir ça en catalogue, parfois de se copier les uns les autres. Donc là, mais même en France, hein, il y a cette mode de l'IPA. Ouais, t'en as tous les brasseurs, ils font ça maintenant. J'ai vu, je crois que c'est Grimbergen, j'ai vu qu'ils faisaient une IPA maintenant. Ah aussi. Bon. Voilà. À un moment donné, là, dans les bars de Lille, je sais pas si c'est toujours le cas, mais tous les bars proposaient de la Nostke, qui est aussi une IPA. Ah, Nostke. Et la Nostke, à Nostke, ouais. Okay. Et c'est si tu veux savoir, c'est une bière de pays flamand, donc bière belge. Enfin, non, en plus, mais côté France, mais c'est une bière belge côté France. Mmh. Et donc tous les bars en avaient. Moi, c'est la seule bière que je n'ai jamais finie. Mmh. J'ai passé mon verre à quelqu'un. C'était vraiment, je non. Trop amer. Comme c'était, ça. C'était trop amer pour toi. Trop riche. Oui, c'était trop amer. Trop riche aussi. Trop. Je tape le micro. Qui tape trop dans les micros. Je tape le micro, je suis comme ça. Mais alors j'ai vu tout à l'heure sur Facebook comment il s'appelle Samuel Adams fait leur New England IPA. J'ai vu ça, oui. Et ils sont en train de se faire. J'ai lu les. Écoute, avec délectation, j'ai lu les commentaires des gens sur Facebook. Mais écoute, c'est à mourir de rire. La pub était vraiment naze. On dirait une fausse pub. C'est parce qu'ils sont en Nouvelle-Angleterre, évidemment. Mm-hmm. Alors comment est-ce qu'on fait New England IPA? On commence par la New England. Alors nous, on est en New England. Alors, ils se font sabrer par tous les commentaires. Mais non, mais arrêtez d'essayer de faire des bières sophistiquées. Vous y arriverez pas. Enfin, c'est vrai qu'ils sont vraiment entre la bière industrielle et bon. J'avais dit le plus grand bien de la seule que j'aime chez eux, qui est leur bière standard. Tout le reste, c'est à mi-chemin. Leur campagne effectivement de pub là, je crois que je les ai vus avec O'Connor qui est allé les voir, tu sais c'est qui ça, donc il s'appelle, c'est le rouquin là, le c'est comme, je sais plus son nom, qui? C'est ça, c'est pas O'Connor le mec ou O'Connor, je sais pas qui de qui parlait Stéphane en roue libre là, je parle des animateurs télé Conan O'Brien, voilà Conan O'Brien, voilà. D'accord. C'est pareil O'Connor c'est pareil, tout ça c'est Irlandais. Et le gars il arrive, tu sais, ils se ressemblent tous ces Irlandais. À un moment donné, tu sais, il y a une vingtaine de bières, donc lui, ouais, il les mélange toutes, tu vois, il les mélange toutes, puis après il les boit comme ça, il fait ah ben voilà, au lieu d'en boire une à la fois, mais moi je les bois toutes comme ça. Bon, puis après, ils se tournent vers les brasseurs, ils sont tous barbus, ils leur font, c'est normal ici, il faut être barbu, il y a encore. Bon, c'est assez rigolo, mais. Encore une fois, les brasseurs barbus. Ah ben là, ils étaient tous, à part le chef, quoi. Les grands poils, si tu venais ici dans les brasseries, tu passerais complètement inaperçu. Ah oui, oui, oui. C'est il faudrait que tu t'achètes une casquette de baseball. Ah, ouais. LSU. C'est obligatoire. Oui, je pense qu'il parle à toi, grand poil, pas à moi. Ah, j'ai raté un coupé un petit morceau, j'ai pas entendu. Ça parlait de barbe et tout ça, je pense que c'était plutôt à toi que c'était adressé. Non. Donc oui, je passe inaperçu au milieu des barbus brasseurs. C'est ça. Mais il te faut une casquette. Oui, une casquette de baseball. Ah, malheureusement, j'ai que des casquettes de golf des États-Unis. Oh, ça passe. Oh, ça passe bien, ça. Ça passe bien. Ouais, ça passe. Oui, tu te fondras dans la masse aussi. Oui. Bon. Ok, ça passe. Bon. Un peu d'embonpoint aussi, ça aide aussi. Du moment que t'es pas habillé. Ouais, ça passe. ça passe aussi. Du moment que t'es pas habillé comme le courrier du Mardi Gras. Ouais. Parce que là, on sait que t'es français. Oh là là, ouais. On en parlera une autre fois. On va la parler, ouais, voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'entends plus rien du tout, là. T'entends plus rien du tout? Allô? Ah, c'est bon, vous êtes revenu. Vous étiez sous un tunnel, parti. Je pense. Voilà. Comment? On était sous un tunnel, elle dit là. Allô? Oui, on est passé sous un tunnel. Ah. Ouais, c'est bon. Donc, en fait, cette... Quelqu'un parle ou on s'entend plus? Pardon? Vas-y. C'est bon, vous entendez là? Ouais. Oui, voilà, vas-y. Nous, on vous entend bien. Bon, tout ça, on coupera. Ouais. De toute façon, on coupe depuis le début, là, on recommence. Alors, moi, c'est Pomme. Et Poil. La bière de la semaine, c'est quoi? Pomme et Poil. Pomme et Poil. On dirait des animés. Avec des héros, c'est genre des chiens et des chats. Pomme et poil en Amérique. Pomme et poil à la plage. Voilà. Ben, on est heureux, non, Binouze? Ah, mais voilà. On est bien. Mais on se régale. Ah, bon, mais finalement, on elle est bien, pas mal, bien. Bière. Hein. Tu vas peut-être boire une deuxième? Avec ouais, que t'es fille. Mais... Alors, je vais la finir.
Hey, bon, pardon, vas-y. Là, chez vous. En plus, bon, vous, vous êtes chez vous. Stéphane, il est chez lui. C'est la 52e. Ça fait un an. Ouais, c'est l'anniversaire. On se lâche. Voilà. Moi, je vais en boire une deuxième après. Ah, ben, voilà. Là, chez vous. On va profiter. Hein. Bah, c'est-à-dire que vous, il est quelle heure, là? 15h? Il est 15h, ouais. Voilà, moi, nous ici, il est 22h, je suis toute seule chez moi, demain je travaille, je vais peut-être pas attaquer une deuxième bière après. Oh, oh, pourquoi pas? Moi, je crois que je vais ouvrir la IPA derrière. Ah bah tiens. Non, je vais voir si je finis celle-là, on verra après, je vais bien dormir. Oui. C'est à cause de la lupuline, pas à cause de l'alcool. Ah, voilà. La lupuline? Et la lupuline, ça fait dormir. Poil, pomme et lupuline, voilà le dessin animé. Ces aventures de Lupuline avec pomme et poil. Si tu t'endors et voilà. On dirait le nom d'une MST. Oh, ah, j'ai encore attrapé la Lupuline. Tu sais quoi, ma fille à Lupuline. Mais quand tu te fais arrêter, tu peux dire au flic que c'est pas ma faute si je me suis endormi, c'est la Lupuline. Ah. Voilà, c'est pas l'alcool. Ça fait. Et là, on revient au platane parce qu'on sait. Voilà. Qu'on coupera peut-être. Ou pas. Ou pas. Oui, parce que nous sommes on fait écoutés. Des podcasts dans lesquels on assume tout, donc on n'est pas voilà. Ouais, bah nous aussi. Hein. On fait peu de coupes. Bon, on fait des coupes souvent, des fois. Ouais. Des fois. Voilà, peut-être qu'on mettra dans le pourriel. Ah, peut-être. On mettra en fin d'émission. Ouais, on verra ce qu'on fera. Ouais, parce que tous les ans, on a le. Vous avez entendu notre. Comment dirais-je? C'était quoi en fin d'année? On avait fait le bêtisier. Mmh, le bêtisier. Ouais. Tout à fait. C'était sympa. Ouais. Mmh, c'était très drôle. Ouais. Oh, on sera peut-être dans le bêtisier de Binous USA. Oh, c'est, oh, ouais, c'est la classe. Ah, c'est presque assuré. Je le sens bien. Ouais. L'épisode du Nouvel An, le récap. Voilà. Eh ben, en tout cas, ça nous fait bien plaisir de vous avoir. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle n'a même pas parlé de la couleur de la bière. Non, voilà. C'est vrai ça. Eh ben, voilà. Quelle couleur elle a? Non, mais c'est vrai. Non, mais elle est magnifique. Je la trouve très très belle. Couleur orange. Elle a une couleur dorée. Voilà, exactement, ouais. Dorée. Ouais. Belle retention de mousse. J'ai toujours la mousse, moi. Ouais, c'est vrai ça. Eh ben, voilà. Vous aussi, vous avez de la mousse encore? Pas du tout. Elle est toujours là. Non, moi non. Ah, parce que toi, tu l'as versé. Moi, j'ai servi à la sauvage, donc ça va. Bah, c'est normal, ouais. Ça a moussé. Statistiquement, 3 cas sur 4, la mousse se maintient. 3 cas sur 4, 4 ouais. La mousse se maintient. Voilà, ça c'est statistique. Mm-hmm. Ou alors j'en ai bu plus que vous et donc j'ai plus de mousse. On va non, c'est la façon dont tu l'as versé au bord du verre, comme ça. On va envoyer le stat à Heineken, bon, on va apprécier, je crois. Mm-hmm. Ah, est-ce que je peux faire une petite... Alors, c'est pas un écart, puisque c'est toujours pour parler de la bière. Mais bien sûr. Quand il a fallu choisir un verre pour servir cette bière, j'étais bien embêtée. Mmh. Parce que je sais que, selon la bière, la forme du verre peut être importante. Oui, c'est vrai. Mmh. Et sur cette bouteille-là, il n'y a aucune information sur la forme du verre adaptée. Je sais que sur certaines bières belges, c'est précisé, là non. Alors du coup, j'ai pris un verre que je trouvais joli dans mon placard, mais je savais pas... Si ça se trouve, j'ai pas choisi le bon verre. Ah, voilà. Peut-être pour ça qu'il n'y a plus de mousse. Non, à mon avis, c'est la façon dont parce que tu décrivais tout à l'heure la façon dont tu verses la bière, tu la verses comme je faisais avant, moi, il y a plusieurs années, tout doucement sur la paroi du verre. Ah oui, verre. Mais là, je l'ai pas fait. Ah. Là, je l'ai pas fait justement pour que ça fasse un peu plus de bruit et que ça fasse de la mousse et que je me fasse pas montrer du doigt, genre oh, tu l'as mal fait. C'est la peer pressure. Voilà. Non, c'est la bière pression. C'est la beer pressure. À propos de ça, d'où vient la beer pression? Moment culture. Oh. Aucune idée. Est-ce que ce serait la minute au coin du feu avec Jean-Franc de Ouf? Moment culture. Ah, moment culture. Oh. Alors, la beer pression. J'ai adoré Jean-Franc de Ouf. J'ai découvert la dernière fois. Et j'ai adoré. Il sera de retour. Voilà. Mais là, c'est le moment culture. C'est-à-dire, bon, après la perte de l'Alsace et de la Moselle, nos Alsaciens et nos Mosellans, patriotes, français. Français. Sont venus s'installer à Paris, ont ouvert des brasseries, et c'est là, brasserie pourquoi? Parce qu'ils y servaient de la bière, et ils y servaient de la bière pression. Ah bon? Et ouais, ça vient de là, la bière pression, c'est donc après 1870, et tous ces... c'est pour ça qu'on appelle ça une brasserie encore en France aujourd'hui, et tous ces gens-là après ont été remplacés par les Bouniens venus d'Auvergne. Voilà, mais au départ, les premiers à proposer la bière pression en France, c'était les Alsaciens, voilà, qui voulaient rester français. Ah bah dis donc. Voilà. Voilà, c'est le fameux grand remplacement par les Auvergnats. Voilà. Oula, vous m'avez perdu là. C'était le moment culture. Je connais le grand dérangement avec les Acadiens, mais le grand quoi?
Le grand remplacement. Le grand remplacement. Ça, moi, je connais pas. c'est une lacune de ma culture. Voilà. Non, j'ai fait une mauvaise vanne sur des théories de gens fans du complot et en France et surtout très racistes qui parlent de grand remplacement. De Camus. Ah, d'accord. Pardon, parce que nous, moi, d'où le remplacement, le grand remplacement, mais par les Auvergnats ce coup-ci. Voilà. D'accord. Ok. Non, c'est ma faute. C'est moi qui suis pas au fait de voilà. Mais ma vanne était déjà pas ouf. Maintenant que je l'ai expliqué, je la trouve vraiment terrible. Bah, tu vois, elle nous fait rire, du coup. Elle nous fait quand même. À partir du moment où tu dois l'expliquer, c'est mauvais. Non, mais c'est de ma faute. Stéphane, toi, tu te tiens au courant de ce qui se passe en France. Oui. Moi aussi, mais de beaucoup plus loin, donc j'ai pas fait le rapprochement. C'est moi, c'est de ma faute. C'était une bonne blague. On la garde. C'est gentil. On la garde au montage. Alors, que dire de plus sur cette bière, les amis? On va peut-être passer à la wawarinisation. Ouais, je crois qu'on peut passer au wawaron. À la note, tout simplement. Ouais, ça sera plus facile à dire. Est-ce que, alors peut-être vous le dites dans un épisode précédent, mais je n'ai pas encore rattrapé tout mon retard, puisque je vous ai découvert au mois de septembre-octobre, je pense. Mmh. Pourquoi vous donnez ce nom à la note, les wawaron? Eh bien, c'était mon idée quand on a commencé le podcast. J'ai dit à Stéphane, tiens, pourquoi on ferait pas un podcast bière? Et au lieu de dire combien la note 15 sur 20, 2 sur 20, je dis mais pourquoi ne pas lui donner un nom à cette note? On l'appellerait le wawaron. Mmh. Le wawaron, c'est un crapaud. Un crapaud, oui. Un crapaud en Louisiane, le soir en été quand il fait chaud, on l'entend faire bah bah. Ah, et donc c'est ça le wawaron. Wawaron, c'est les gros crapauds de Louisiane. Oui. Alors au lieu de dire 15 sur 20, ben on dit 15 wawaron, voilà. ça fait couleur locale. Puis des fois je coupe le wawaron. Okay. Non mais c'est bien de s'intégrer, c'est important. Ben oui. Et puis Stéphane aime bien la vivisection, donc lui il fait 15, il fait toujours 15 et demi, il découpe toujours en deux. C'est normal. Parce qu'il aime bien les voir souffrir. Comme ça il se taise après. Il est comme ça, Stéphane. Oui. Il pourrait être dans un livre de Stephen King. Voilà. Donc, il faut wawaroner. Oui, il faut wawaroniser. Alors, aussi, on a introduit un verbe wawaroniser. Uh-huh. Wawaroniser, pardon. Que je n'arrivais pas à prononcer, mais ce n'est pas grave. On n'arrive pas à prononcer nos propres verbes, ouais, voilà. On va y arriver un jour. Alors, est-ce qu'on wawaronise? Les invités d'abord. Mais bien sûr. Wawaronisons. J'ai envie de dire les pommes d'abord. D'accord. Moi d'abord, j'ai du mal à noter parce que c'est tellement subjectif. J'ai pas de note objective à donner. Moi, j'ai pas trop aimé, donc je mettrai moins de 10. Mais c'est très par rapport à mon goût personnel. Je peux pas dire c'est une mauvaise bière. Je peux juste dire j'aime pas. Ouais. C'est bien, ça marche. Voilà. C'est le principe en fait de la note. Ouais. 10 sur donc 20, j'aime alors. Pas. Donc moins de 10 sur 20. Moins de 10. Ah, moins de 10. Non, vraiment, c'est pas. Le ok, non, mais c'est bien, j'apprécie. C'est bien. C'est ton wawaron. Allez, mettons la moyenne. Allez, mettons la moyenne. Ah, mais 10. T'es pas obligé, hein. C'est ton wawaron, tu en fais ce que tu veux. Hein. Voilà. Mettons 10. Allez, c'est parti. Bon, 10, c'est-à-dire qu'elle est pas désagréable, mais t'en rachèteras pas. Juste, j'en rachèterai pas. D'accord. Donc, tu n'en rachèteras pas. Voilà. Non, mais des fois, elle est trop sympa, elle ose pas affirmer ses opinions. Mais, ça m'étonnerait, ça. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que des fois, je n'ose pas tracher. Quand j'aime pas, j'ai du mal à dire. Bon, on l'a dit dans l'émission. Bon, voilà, à vous, là. Dans l'émission, là, on a bien traché vous, des bières. Ouais. Hein. Monsieur Poil, monsieur Grand Poil. Monsieur Grand Poil. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien cette bière. J'en rachèterai peut-être pas très souvent. Je pense que je resterai aux alentours de 13. Mmh. Ouais, ça me paraît bien. Mais je fais le même analyse que toi. C'est-à-dire que c'est pas désagréable. J'en boirai une deuxième, celle du pack, avec plaisir. Mais je pense pas que je vais courir dans mon supermarché en racheter. Ouais. Donc ouais. Moi, pareil. Ouais, moi, 13, ça me paraît bien. Moi, je mettrais. Est-ce que je mettrais un 14? Est-ce que c'est un peu. Moi, je mets le 14. Et voilà. Tu vois, je pense que chez nous, à quasi au même prix, on a la Sierra Nevada Pale Ale. Celle-là, je fonce dessus sans problème. Ah oui? Oui, bien sûr. Évidemment. Oui, oui. Combien elle avait mis à la Sierra Nevada Pale Ale? Je ne me souviens plus. 95 ou 16, quelque chose comme ça, non? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Il va falloir regarder. Oui. Donc, c'est-à-dire que c'est pas désagréable, ça se boit. Je boirais bien celle. Peut-être que j'en achèterai un jour. Moi, je dis 14. Voilà. C'est-à-dire que je vais pas me ruer dessus demain. Mais. Écoute, moi, je vais m'aligner exactement sur ta note. Je vais mettre 14 également. 14 parce que j'aime bien ce qu'ils ont voulu faire. Initiative après la récession et tout ça.
Je trouve qu'ils ont, ils ont réussi à un équilibre qui est discutable, parce que je la trouve très sucrose, pas assez amère, trop alcoolisée, même si ça se sent pas au goût. Je trouve qu'elle est, c'est une bière qui est extrêmement vieillie. Des fois, ça peut faire plaisir. Moi, quand je bois une Schlitz, qui est vraiment de production industrielle, et même sa petite sœur, qui est vraiment pas terrible, et compagnie. Okay. La Old Milwaukee, par exemple. Là, je sais que je bois une bière de nanar, je me crois en 1952. Mais là, j'ai pas le côté nostalgique de retourner à 1988. Donc, bon, c'est une bière qui pète des scores incroyables, mais j'ai vu des bières parfois meilleures, qui avaient le moins bon score. Oui. C'est vraiment dans l'optique américaine, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, je comprends qu'ils l'apprécient, mais je me limiterai à 14. Ouais. Ouais. Et je ne pense pas que j'en rachèterai d'ici. Non, j'en rachèterai même certainement pas, parce que dans le domaine, on a des New England IPAs maintenant qui sont bien meilleurs. On a également des Sessions IPA, et là, ce sont des bières qui ont autant de goût, si ce n'est plus, et qui ont un degré d'alcool. Tu peux enlever 2 degrés d'alcool sans problème. Donc, ouais. Alors, Lagunitas, il faut savoir que chez nous, ça se trouve dans les bars de temps en temps. Oui. Il y a un bar dans lequel on joue souvent, qui est mon bar préféré pour jouer de la musique, qui se trouve à Belle River, en Louisiane. C'est en plein milieu du swamp et tout ça, c'est très joli. Et ils ont la Lagunitas IPA. Mmh. Et je suppute qu'ils ont celle-là aussi. Mmh. Et dans un bar, quand tu as le choix entre Budweiser, Bud Light et ça... Oui, oui, bien sûr. Ouais, on peut taper dedans, quoi. Là, c'est l'état d'urgence. Bah, tu prends un soda, quoi. Ah non, non, moi, je bois plus ça. Et oui, donc ça, c'est la force d'Heineken. Bon. Voilà. Quand on est plus gros groupe. Donc, ouais, j'en reboirai. Mmh. Okay. Je peux dire que j'en reboirai. Mmh. Bon, donc, finalement... Oui, Pomme, vas-y. Finalement, si on résume, c'est sympa, mais pas ouf. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Ça passe bien, mais ouais. Ouais. On ne fera pas des acrobaties pour en racheter, quoi. Non. On se relèvera pas la nuit pour en acheter. Ça va pas changer nos paradigmes. J'aime beaucoup placer ouf tout au long de votre podcast. De ouf. Alors, t'aimes bien Jean-Franc de ouf. Jean-Franc de ouf. J'adore Jean-Franc de ouf. T'as vu qu'il écoute Vivaldi? Ah bah oui, quand même. C'est un homme de goût. C'est un homme de culture. Qu'est-ce qu'on est bête. Vous avez bien aimé aussi la pub avec les grosses têtes. Ah mais absolument, moi je l'ai écouté ce matin même, donc on est mercredi, non on est mardi, n'importe quoi, c'est mardi là aujourd'hui. Alors on est que mardi, donc le mardi matin, maintenant c'est mon rendez-vous quand je me lève, je mets à jour mes podcasts, le vôtre est là, et je pars au travail en vous écoutant déguster une bière, donc à 8h30 du matin, et donc ce matin, et j'arrive au travail et je remets le podcast pendant que je travaille. Ah bon ? Et donc j'étais sur un plateau de 120 personnes au moment où je vous ai entendu faire les grosses têtes, et j'ai dû me retenir de pas trop rigoler parce que ça fait pas très sérieux. Ah bah dis donc, ça fait plaisir d'accompagner tes mardis matins. Oui, oui, bien sûr. Oh, je pense que vous accompagnez ceux de Grand Poil aussi. Oui, Grand Poil, tu es là ? Bon, on dirait qu'il n'est plus là. Ah, il n'est plus là. Oui, si, pardon, je suis là. Je disais, oui, effectivement, le mardi matin, c'est difficile d'avoir envie d'une bière à 10h et il a dalle à 10h30. Mais moi, hier, en fait, ma femme a acheté une nouvelle voiture et je conduisais et je me suis dit, tiens, allez, voyons le son, l'autoradio, comment est-ce qu'il sonne et tout. J'ai mis notre podcast parce que je connais bien le son. Et puis, on parlait d'une New England IPA. Écoute, j'avais entendu dire X fois qu'on donne soif aux gens, mais je l'avais jamais vécu. Et j'étais dans ma voiture et j'entendais ça. Je m'entendais nous-mêmes parler d'une bière. Écoute, quand je suis arrivé, j'avais qu'une envie, c'était de boire. Oui, mais c'est là où il faut dire, boire ou conduire, il faut choisir. Voilà, ben donc j'ai conduit avant de boire. Bravo. Voilà. Don't drink and drive. Non. Moi j'ai plus de voiture. T'as plus de voiture, toi. Au moins tu peux. C'est boire. Réglé. Au moins, tu peux voir, c'est l'intérêt. Que disait-on avant ça? Là, je crois qu'on s'égare. Mais oui, mais parce qu'on est là. Bon, on venait de noter la bière. Après, je ne sais pas. C'est vrai. On est bien en bonne compagnie avec une bière, on discute. Moi, le déroulé me paraît logique. Dans pas longtemps, je vais aller chercher des cacahuètes. Je vais vous en proposer d'ailleurs. Des curly peut-être, moi ça c'est mon filet mignon, c'est mon péché mignon. Filet mignon. Non, mon filet mignon. Filet mignon. Magnifique. C'est bien qui rend poète. Attends, c'est la boucherie.
On touche à tout sur Vénus. C'est bien qu'il Boucherie charcuterie. C'est mon film mignon. C'est parti. Vous l'avez entendu dans Vénus, c'est une nouvelle expression. Voilà. C'est mon filet mignon. Après les côtelettes de porc, le filet mignon, c'est normal. C'est l'expression, c'est l'expression occasion de la semaine. Mon filet mignon. Ça va être, oui, ça va être la brève de. Ça, je pense, dans le pourrier. La citation du podcast. Ça va rester, ouais. Enfin. C'est vrai qu'on est bien. Ah ben, on est très content de voir que vous êtes bien dans Vénus. Bah oui, on y est bien. On est bien là, dessus, on tout rigole coup, grand bien. Silence, mais... Ils sont plus bien. Il y a un grand froid. Si, on est là, on est là. Allô? Si, si, on est très très bien. On avance? On ne vous entend plus. Bah chacun son les tour. Les Louisianais parlent au Binouzet. Allô? Gros Steven. Le petit oiseau a fait son nid. Je répète, le petit oiseau a fait son nid. Parce qu'on est déconnecté. Et voilà, et à partir de là, on n'a plus été reconnecté pendant au moins une heure et demie. C'est le voodoo. Oui, et puis au bout d'un moment, on a quand même, on a jeté l'éponge et on a dit, bon, c'est pas grave. De toute façon, on refera, ce sera à refaire bientôt. Mm-hmm. Donc, c'était un petit teasing du Roi Steven et de Binous USA. Alors, pour vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé pendant une heure et demie après ce que vous venez d'entendre, eh bien, voici un petit bêtisier. Léon, est-ce que vous m'entendez, Léon? Léon, m'entendez-vous? Léon? Ouais. Oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. On vous entend bien? Bon, tout ça, on coupera. Oui. Allô? Ah, j'entends plus rien du tout, là. Ah, non, t'entends plus rien du tout? Allô? Ah, c'est bon, vous êtes revenu, vous êtes revenu. Vous étiez sous un tunnel, je pense. Comment? Vous étiez sous un tunnel, il dit là. Allô? Oui, il est passé sous un tunnel. Ouais, c'est bon. Allô, Guy, oui. Je vous demande infiniment pardon, Guy. Oui. Je n'y vois plus rien, je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire, on va essayer d'y parer. Ah oui, alors pardon, ça a recoupé. Ah bon? Repose ta question, du coup, qu'on enchaîne. D'accord. Par conséquent, nous allons improviser, mais malheureusement, je n'ai plus tout à fait tous mes moyens. Allô, tu as un problème? Ouais, ouais. On vous entend toujours. On vous entend. Et vous? Est-ce que vous nous entendez? Tout à fait. Oui. Et vous? C'est dommage. Ok. Ben vous nous entendez, mais nous on vous entend pas. Ouais. Super. Allô. Allô. Oui. Oui. On vous entend. Vous entendez? Est-ce que vous nous entendez? On vous entend pas. Ici Carcassonne appelle Dax. Ici Carcassonne appelle Dax. Je voudrais que Léon me réponde. Oui, oui, ouais, oui. On vous entend. C'est ça, non? Oui, normalement c'est ça. Ouais. Ça te débrouille, Allô. Ouais. Allô, allô, allô. Allô, allô. Oui, oui, Léon. Je vous demande pardon, Guy. Non, il mais faut non, pas mais non nous. Plus. Je voudrais aussi rassurer les miens qui sont dans leur écran et leur dire que finalement, en dehors du fait qu'on m'a cassé mes lunettes et que je n'y vois rien, tout va bien. Allô. Continuez oui, à faire Patrice. Du chantez-nous la Marseillaise, ce que vous voulez. Hello. On vous entend, on vous entend. Ça va sinon toi? Ah, je t'ai fait tout ça. Ah bon, oui. Il va falloir peut-être revenir au tien là, ton truc là. Ah ben là vous avez coupé votre micro donc on vous entendra pas. Comment ça? Non, on a pas coupé le micro. Vous entendez plus là? Si, là on t'entend. On t'entend. Ah, voilà. Ok, mais là il va falloir qu'on retrouve la façon de vous faire passer par nos casques. Par nos casques et non plus par. Voyons. Ah. Si, si, tout à fait. Non, on les entend. Alors là je vous entends, mais par nos enceintes. Par nos enceintes. On s'entend. Alors après, on a la chance que. On vous a entendu rigoler. Je pense qu'ils viennent de découvrir pourquoi ça marchait pas. Non, c'est pas ça, c'est que. C'est... Ah, vous entendez ? Ouais. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, je suis en train de me prendre la tête, et puis tout d'un coup, j'appuie sur un truc, j'entends. Alors, la nosque bleue. Ils sont débranchés. Et donc, c'était quoi le. Je trouve ça un petit peu extraordinaire dans un jeu qui a pour mission de distraire la France entière, qu'il y ait quelques énergumènes qui prennent mal la victoire ou la défaite de telle ou telle ville. Et de s'en prendre aux animateurs prouve une fois de plus
qu'il y a quand même des gens qui ne sont à leur place nulle part. Ah oui, ben voilà, il y a des gens qui sont à leur place nulle part, c'est fort. Ben voilà, je crois que c'était un vrai bêtisier pur. Alors voilà ce qui s'est passé en coulisses. Oui. On s'entendait très bien pendant à peu près une heure, et puis tout d'un coup, on s'entendait plus, et on s'est plus jamais entendu de façon à pouvoir réenregistrer. Voilà. Oui. Donc voilà, bon, donc au moins, on avait quand même une heure, moi, que j'ai trouvé très sympathique. Je me suis régalé, apparemment, eux aussi, toi aussi, Stéphane. Mmh, oui. Voilà, donc on a passé un très bon moment. Et puis donc, ce sera à refaire, deuxième volet, Ross-Steven Binouze, bientôt. Voilà. Stéphane, 52 épisodes de Binouze. Oui. Ça fait quand même une somme. Ouais, et surtout pour nos foies respectifs. Oui. Bon, heureusement que c'est étagé sur 52 semaines. Voilà. Alors, quels ont été tes moments préférés, tes moments marquants Oui, il y en a eu beaucoup. Mais bon, évidemment, lorsque j'ai fait découvrir à la planète entière la Schlitz... La Schlitz, évidemment. Bah ça, c'est un moment historique. Un moment historique. Tu as fait découvrir la Schlitz au monde francophone. Voilà, au monde entier. Alors, moi, j'en ai déjà parlé, mais vraiment, ce qui m'a vraiment surpris et beaucoup plu dans cette expérience, on a l'impression qu'on finit le podcast. Ce qui me plaît, c'est que vraiment, c'est ce qui m'a vraiment surpris, c'est les connexions humaines qu'on a tissées. Oui, Ça, je ne m'y attendais pas. Oui. Je pensais qu'on allait faire aller des émissions en buvant un peu de binouze, et puis qu'on allait voir quelques chiffres sur l'ordinateur, tant de gens qui vous écoutent, et puis que ça se serait arrêté là. Mais alors, pas du tout. On a rencontré tout un tas de gens qui font maintenant partie à part entière de notre quotidien et qu'on ne connaissait pas avant et que vraiment, on est très très heureux d'avoir connu. On entend tous les accents de la francophonie. En plus, tu verras dans les messages vocaux, absolument. Ça, ce n'est pas fini. Mais non. Alors moi, pour les moments forts de l'année, moi je dirais évidemment la découverte de la Ghost in the Machine. Oh oui. Que j'aurais peut-être pas découverte si ça n'avait pas été pour le podcast. Oui. Ça m'a poussé un petit peu, si tu veux, à sortir de mes retranchements, le podcast, à aimer des types de bières que je n'aimais pas avant, exemple les porteurs et évidemment les stouts, etc. Oui, oui. Donc ça m'a beaucoup apporté sur ce plan-là. Aussi, apprendre à aimer la bière et à la regarder, à la sentir, etc., à pratiquer tout ça toutes les semaines, ça c'était vraiment très, très sympa. Un moment fort pour moi, c'était l'épisode Oktoberfest. J'ai vraiment pris mon pied, c'était mon anniversaire en plus ce jour-là. Avec la voisine. Voilà, la voisine, qui est venue faire une intro, ça j'ai trouvé ça génial. L'épisode chez Parish Brewing. Ah oh, bien sûr. Moment fort. Oui. On s'est absolument régalé. Apparemment, ça s'est ressenti de l'autre côté. Vous aussi, vous avez passé un bon moment avec nous et avec Jack. Donc tout ça, c'est que du bon. Stéphane, d'autres moments forts? Non, pas plus. Je crois que tu les as à peu près tous dit, quoi. Ouais, le premier épisode, évidemment. Oui. le premier que personne n'a jamais entendu, même nous. Inédit. Alors oui, on peut expliquer ça, c'est assez rigolo. Oui, là aussi, c'était. Oui, on s'est dit, tiens, ça c'était pas la technique, c'était moi qui déconnais. On s'est dit, tiens, on va faire un podcast bière. On est allés tous les deux au magasin, au supermarché. On s'est dit, tiens, on connaît pas cette bière, on l'achète, on la ramène, hop, on l'ouvre. J'ouvre les micros. Et alors, Binouze USA, qu'est-ce que c'est? Toutes les semaines, on va goûter une bière. Et oui, alors, qu'est-ce qu'on goûte cette semaine? Stéphane, on a fait l'épisode entier. Alors, celle-là, on l'a, oh, qu'est-ce qu'elle est? Elle est surprenante, elle est ceci, elle est cela. On a fait tout l'épisode. J'ai éteint le logiciel. Et puis après, j'ai fait, oh mince, j'ai jamais cliqué sur save. j'espère que ça a été sauvegardé. J'ai cherché partout, et ben non. Voilà, c'est comme Tintin et l'Alphard, ça va sortir un jour. C'est ça. Le tiroir, tu vois. C'est un épisode qui ne sera jamais sorti, que personne n'entendra jamais, même nous, puisqu'on l'a perdu. Voilà, perdu dans l'espace. Et donc, le deuxième épisode, qui est en fait pour vous le premier, c'était la course banquet. Oui. Alors bon, on voit avec les chiffres de téléchargement que beaucoup de gens se ruent sur le premier épisode. Pour nous découvrir à chaque fois qu'ils voient le nom, allez, Binouze USS, un podcast sur la bière, tiens, on va l'écouter, hop, on télécharge le premier épisode. C'est peut-être pas le meilleur à télécharger. Non. Parce que, alors, réécouter, le son était moins bon. On était très, on était un petit peu nerveux, ça s'entend. Le concept était mal dégrossi, c'est-à-dire que l'épisode était un petit peu à rallonge par rapport au format qu'on a fait par la suite, parce qu'on a eu du feedback, etc., productif. Voilà. Donc c'est pour dire, on a 52 épisodes et puis voilà. Donc on s'est vraiment amusé. On a pris notre pied et on va continuer d'ailleurs.
Oui. Avec d'autres connexions humaines et d'autres binous. Je pense à un épisode qui fera un petit clin d'œil à la Corns. Ah, ça serait pas mal de revisiter. Ouais. Pas la revisiter, mais j'ai ma petite idée. Ah, d'accord, ok. Oh, si tu fais du teasing. Ah, teasing, tease. Quand tu nous tiens. Bon, eh bien, tout à l'heure, en parlant de teasing, je parlais de messages de boîte vocale. Pourquoi on n'en écouterait pas un? Ah oui. Allez, on y va? Bien sûr. Salut, BNews USA. C'est Kevin Plante-Germain. J'espère que vous allez bien. Félicitations pour vos 1 an. Je tiens à vous appeler personnellement. Parce que vous avez été pour moi un départ, un coup de pied dans le derrière pour me lancer dans le podcast moi-même. Écoutez, j'ai commencé à vous écouter, je pense que vous étiez rendu à l'épisode 10 ou 11, si je ne m'abuse, et je n'en ai manqué aucun depuis. Donc, lâchez pas, les gars, Pat, Stéphane, vous êtes incroyables, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup ça, vous accueillir au Québec pour vous faire découvrir les bières d'ici, et j'aimerais énormément pouvoir vous rendre visite dans un futur proche. Vous êtes source d'inspiration, vous êtes source de professionnalisme, vous êtes un idéal à atteindre, vous êtes drôle, vous êtes intéressant, vous êtes super, les gars, continuez, je suis derrière vous, je vais continuer à vous encourager, je vais continuer à vous écouter, je vais continuer à vous partager, je vais parler de vous dans l'âge de bière, ça va toujours m'en faire grand plaisir. Une collaboration éventuelle serait un honneur pour moi, encore une fois. On pourrait s'échanger des bières encore si c'est possible. Donc, c'est pas mal ça. Je vous aime beaucoup. Salutations à tous les auditeurs de BNews USA. De la part du Québec, de la part des gars de l'âge de bière, puis bonne continuation les gars. Ciao. C'est un beau message ça. Ça nous fait du bien. Oui. Ouf, ouais. Ça nous fait du bien. C'est que de l'amour. Voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, les connexions, les connexions humaines, grâce à ce podcast, c'est génial. Quoi. Mmh. Ouais. On en écoute un autre. Oui. C'est émouvant. Moi ça va. Ah oui, j'ai un petit peu la voix cassée là. On en écoute un autre. Oui. Allez, merci à Kevin au passage. Et bien sûr que nous aussi, on va écouter l'âge de bière, on va partager l'âge de bière, etc., etc. C'est une longue collaboration qui va se passer entre les deux émissions. C'est évident. Salut Patrice, salut Stéphane, c'est Yann du blog Le Sous-Boc. Je suis en capacité de dire que je vous félicite pour cette première année de BNews USA. Merci pour tout le boulot que vous partagez, merci pour ces beaux partages, ces conseils de voyage, cette musique, ces binous, enfin voilà, c'est du top. Alors pour la suite, je vous souhaite plein de Ghost in the Machine, de Coffee Stout, de bières qui sentent le pain, P-A-I-N, et toujours autant de plaisir. Alors on vous attend en Alsace, peut-être un jour, et en attendant, BNews. C'est pas sympa ça. C'est un message qui n'est pas déceptif. Non, absolument pas. Et ça m'a beaucoup impacté. Voilà, parce qu'il y a un journaliste, je sais plus sur quelle émission, quand ils disent des choses comme ça, il faut qu'ils le répètent dans la phrase. Puis plus loin, il a dit décevant. Ah bon? Il a fallu qu'il le répète déceptif une fois, puis t'es tellement content, il faut le dire une deuxième fois, déceptif, tu vois. Et ça, c'est rigolo aussi que vous repreniez nos bêtises. Ça me fait vraiment penser à l'époque où on regardait les inconnus, les nuls et tout ça, et on répétait les catchphrases. Ouais. Ben, merci beaucoup, Yann. C'était celui qui nous avait envoyé les bières pour le premier épisode de Bière Alsacienne. Qui était sublime. Oh, ben, oui, ouais. Ah, Alsace Pellel. Et c'était quoi la deuxième Rappelle-moi, Stéphane. Je ne sais plus. Ah ben, c'était la Polisson. Oui, la Polisson. C'est ça. Non, c'était vraiment superbe. Merci beaucoup, Yann. Il nous booste sur Twitter. Toujours, à chaque fois que je publie quelque chose, il clique « j'aime », il retweet et tout ça. Vraiment, gros support du Sous-Boc. Il nous avait même écrit un article sur nous, etc. Tu te rappelles? Oui. Ouais, donc, grosse histoire d'amour entre le Sous-Boc, le blog Sous-Boc et BNews USA. Oui. C'est réciproque. On en écoute un autre? Oui. C'est joli, Stéphane, tout ça, hein? Ah oui, ça m'émeut. Ben oui, hein, je vois ça. Salut Patrice, salut Stéphane. C'est Tom ou Thomas du podcast Top Moumout. Joyeux anniversaire à vous, les amis. Ça y est, ça fait déjà un an. Un peu moins que je vous écoute, mais je prends toujours plaisir à écouter vos podcasts. J'aimerais vous remercier pour tout ce que vous m'avez appris, pour tout ce que vous m'avez fait découvrir, notamment au niveau des bières.
Moi, étant habitant dans le nord, dans le nord de la France, à la frontière belge, j'ai plus tendance à boire des bières, on va dire, fortes, fortement maltées, peu houblonnées ou pas du tout. Et vous m'avez fait découvrir, vous m'avez fait apprécier ces bières, ces IPA, vous m'avez fait découvrir les saveurs, les arômes, le nez, la robe, la mousse, enfin, vous m'avez fait découvrir comment déguster une bière, vous m'avez fait découvrir beaucoup de choses. Et pour ça, je tenais vraiment à vous en remercier. Et c'était pas gagné parce que moi, je détestais à la base. Je détestais à la base ce genre de bière. Et maintenant, je vous avouerai que de temps en temps, je me fais une petite Brooklyn Lager, une Sierra Nevada Pale Ale ou des Lagunitas IPA. C'est chose qui était complètement impensable avant la découverte de votre podcast. Au-delà de ça, je voulais vous remercier pour m'avoir fait découvrir la culture Cajun. Vous m'avez vraiment donné envie de la découvrir, peut-être un jour, lors d'un voyage, qui sait, nos routes se croiseront en Louisiane, enfin, j'espère. Par contre, vous n'avez toujours pas réussi à me convertir à la culture rock country. Hein. Ça, par contre, ça sera plus compliqué. Vous voyez, bon, même s'il y a 2-3 morceaux sympas où j'ai apprécié le rythme, c'est un peu plus compliqué. J'aimerais aussi te remercier, Patrice, pour la première collaboration, j'espère, d'une longue série avec notre podcast, Top Moumout. Tes connaissances tarantinesques m'ont assez impressionné, à vrai dire. J'ai un peu senti bête, même des fois à côté. Pourtant, j'adore Tarantino, j'ai vu plusieurs fois ses films. Et je voulais te remercier pour ça. Et voilà, encore un joyeux anniversaire, les amis. Longue vie à votre podcast, longue vie à vous. Salut, à bientôt. Ciao. Et voilà, c'est Tom Classical, c'est oui, sympa aussi ça. Bien sûr, oui. Et non, ça fait plaisir tout ça, Stéphane. Oui, ça fait du baume au cœur. Tu as les yeux un petit peu humectés aujourd'hui. J'ai les yeux revolver. Ben, merci à toi, Tom, pour ce gentil et joli message. Et toutes les preuves d'amitié que tu nous portes très souvent, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux et puis aussi dans Top Moumout. Vraiment, qui est un de mes. Sinon, mon podcast préféré à écouter et à découvrir. Donc voilà, tout ça, c'est que du bonheur. Mm-hmm. On en écoute un dernier. Un dernier. Parce que je sens que Stéphane, là, tu ne tiendras plus. Après, je vais tomber, tu sais. Bon, Stéphane est tombé. Je finis l'épisode tout seul. Voilà. Hello les binous, c'est Monsieur Siri qui est là pour vous souhaiter un joyeux anniversaire en espérant que cette fois-ci, ça marche. En tout cas, merci de nous partager votre passion depuis déjà un an. Ça fait vraiment plaisir d'entendre ça tous les mardis maintenant, les mardis matin même, un peu binous le matin. Bref, encore un très 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 joyeux anniversaire et que ça dure encore longtemps. Pourvu que ça dure. Et voilà, puis là ça a marché. Oui, il a essayé de, je sais pas pourquoi, il a essayé d'appeler plusieurs fois et ça ne marchait pas. Ah et bon, là, il est arrivé, c'est pour ça qu'il a dit ça. Voilà. Ouais, c'est un petit peu l'écho de nos problèmes. Une connexion, voilà. Et enfin, merci Monsieur Seri, merci beaucoup. Ça aussi, ça fait partie de, j'en ai pas parlé, mais c'était évident, des moments forts pour moi de l'année, c'était les épisodes passerelles avec oui, Kevin. Oui. Et puis Monsieur Seri, ouais. c'était vraiment génial d'avoir des invités de d'autres voix, d'autres accents, d'autres ouais. régions de la francophonie. Mmh. Oh, oui. etc. C'était vraiment c'est vraiment ça vaut le coup de faire un podcast pour échanger avec des gens. Mm-hmm. On écoute un dernier allez pour la route. Oui, bonjour Stéphane, bonjour Patrice, je suis Mathias de région parisienne, fidèle auditeur depuis octobre, j'écoute votre podcast avec beaucoup de plaisir pendant que vous picolez, moi je cours, donc vous écoutez en courant en fait. Voilà, déjà bon anniversaire, longue vie à Binouze. Et c'est une petite question, j'ai l'impression, alors peut-être que j'ai sauté un épisode, mais que vous n'avez jamais chroniqué de saveur de bière acide. Je veux savoir pourquoi, est-ce que vous n'aimez pas ça ou juste parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion. Voilà, encore longue vie à Binouze, bon anniversaire et à bientôt. Merci à toi Mathias et on est content de t'accompagner dans tes courses. Oui, c'est une très bonne question. On a parlé de la sour, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas chroniqué. On l'a pas chroniqué dans l'émission à part entière, mais ouais. Dans notre trip à Broussard, chez Paris, mm-hmm.
il y avait une ou deux sours. Et puis on avait également dit que 2017 c'était la folie, c'était l'année où toutes les compagnies s'essayaient à ce style. Ouais. C'est vrai qu'on en a pas vraiment. Comment dirais-je, on n'a pas fait la part belle à ce genre de. Déjà parce que elles sont un petit peu passées de mode. Oui, c'est vrai. Et puis bon, on n'en trouve pas vraiment dans nos supermarchés. C'est pas un style qui a beaucoup pris comme l'IPA, comme le. On doit pouvoir retrouver ça, mais il faudrait cibler le meilleur, quoi. Ouais. Le meilleur du meilleur. Donc c'est une bonne idée. Ouais, c'est une très bonne idée. C'est une bonne suggestion. Quelle est l'origine de ce style-là Ouais. Très bonne suggestion, Mathias. Mm-hmm. Et on est contente de t'accompagner dans tes footings. Oui. On picole et toi tu cours. Et voilà. Ben voilà, Stéphane, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'on a le temps pour une petite réclame? J'espère bien. Enfin, de la réclame. Les passagers du vol Podcut à destination de Bénus USA sont attendus à la porte 52. This is your pilot speaking. Podcast Bnews USA fait partie de l'appel Podcut. Et plein de podcasts sont à découvrir sur podcast.studio. Vous pouvez aussi les aider sur Patreon, patreon.com/podcut. Thank you. Ben voilà, Stéphane, c'était la 52e. Eh oui. C'était le premier anniversaire. Premier anniversaire. Moi, je dis santé et l'épisode à 52 épisodes de plus. 52 épisodes de plus. Ah ouais. Voilà. On va découvrir encore plus de bières. Oui. Et on va rencontrer encore plus de gens adorables et passionnants. Certains venus de l'espace. Ou pas. Ou pas, mais bon. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Et quoi d'autre à dire, Stéphane? Bnews. We should watch it. I think that one's full.